Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi ça va super, j'ai fait grâce. Alors bienvenue dans ma cuisine pour une autre vidéo de nettoyage, motivation toujours. Là vous venez de me voir rentrer, j'étais allée déposer les enfants à l'école, alors je me suis dirigée à attaquer directement ma cuisine pour commencer à nettoyer. Normalement je fais ma routine les soirs, mais quand c'est la journée que je suis off, je sais que j'ai pas de rendez-vous, je le fais le matin. Parce que je ne vais pas passer ma journée à rester assise, à rien faire. J'aime ça faire. Et je connais comment est-ce que je programme ma maison, le nettoyage et tout. Voici pourquoi j'ai laissé comme ça. Alors, comme je vous ai dit toujours, la journée que je suis off, c'est le moment que je profite pour faire des grands ménages. Ou bien la veille, la nuit, peut-être je sais que demain je ne travaille pas, je fais, j'attaque des grands ménages à l'étage, dans des chambres et tout, en bas. Je viens de récupérer maintenant par la suite. Donc là, je suis off, je venais de rentrer pour déposer mes enfants, comme j'ai dit tout à l'heure à l'école. Alors, j'attaque directement ma cuisine et je voulais suivre au rythme de la musique. On se retrouve tout à l'heure. Si tu n'oublies pas de vous abonner, de liker, de commenter, ainsi que de partager. Don't forget to like, to share and to subscribe. Thank you.
j'ai fini la vaisselle, j'ai mis d'autres dans la vaisselle. Ensuite, j'ai lavé les casseroles et je commençais à attaquer, à nettoyer un peu les murs, la porte, un peu partout pour cet âge et tout, pour avoir quand même l'équilibre. Parce qu'en faisant le ménage chaque jour comme ça, en essuyant partout chaque jour, on ne peut pas avoir beaucoup de saletés qui s'accumulent. On réduit quand même les quantités de saletés, les quantités de tâches. Vous savez, à la maison, là, il y a des enfants, ils touchent partout. Moi, mes deux jeunes, je vous assure, des fois, ils colorient les murs avec des crayons, mais quand ils arrivent, je dis, mais prenez les guenilles, prenez les savons, on met du javel là-dedans. Pas le javel, le vinaigre, ouais, le javel des fois, ou des fois, on met les vinaigres avec les savons et l'eau tiède. Je les montre comment frotter et depuis que je les montre comme ça, ils ont arrêté de tirer sur les murs. Donc dans la maison là, il y a des enfants, c'est normal, il y aura toujours des taches partout, des saletés tout le temps. Donc la plus importante, c'est entretenir la maison et aider aux enfants. Quand vous faites le ménage, il faut toujours pousser aussi aux enfants de le faire en même temps avec vous. Là, ça les motive. Mais si tu dis, on va faire ça, ils vont devenir paresseux. Mais si tu les dis, on va faire ensemble, ça devient comme une activité, on s'amuse. Ça les motive, ils sont tous contents et puis ils apprennent comme ça parce que le corps peut refuser une journée de ne rien faire, ne rien faire. Sinon, si les enfants ne savent pas comment faire le travail, et ta maison sera comme une poubelle. Donc, on apprend aux enfants, il ne faut pas juste se baser que nous-mêmes, on doit faire nos maisons. Non, on apprend aussi à nos enfants comment faire la maison. Voici pourquoi des fois, vous me voyez dans les vidéos, je fais avec mes enfants. Donc, c'est ça. Don't forget to like, to share, to subscribe. On se retrouve encore tout à l'heure. S'il vous plaît, abonnez-vous. J'ai fini de poser les murs, nettoyer les murs et tout.
après, je vais commencer à passer la mop. Avant de passer la mop, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous rend aéré? Qu'est-ce qui vous motive à naître et naître aimé? Bien sûr, la première position pour moi, c'est Dieu. J'aime Dieu dans ma vie. J'ai été élevé dans une maison chrétienne. Je sais que je vis par la grâce de Dieu. Je respire par la grâce de Dieu. Il n'y a que Dieu qui me donne les souffrances de vie. Il n'y a que Dieu qui a le contrôle de ma vie. À part cela, des choses que j'aime comme ma passion et tout, j'aime nettoyer, la décoration, travailler avec les enfants comme dans des garderies, j'aime faire la cuisine, j'aime là je suis que ça soit propre. Même si je suis malade, j'aime faire de mon mieux que ça soit que j'équilibre quand même des saletés. Même si ça se voit il y a des saletés, mais je vais faire de mon mieux pour que je réduis quand même les quantités. La propriété, moi j'adore. Je n'aime pas les saletés. Quand il y a les saletés, ça me donne la colère. Alors, ma passion que j'aime, c'est la décoration, faire la cuisine, faire la vaisselle. Mais par contre, je déteste faire la lessive. Mais j'ai pas le choix, en étant maman, en étant une femme, je le fais toujours, mais je déteste faire la lessive. Donc, c'est ça. Alors, n'oublie pas de vous abonner, de liker, de commenter et répondez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez faire. Parce que moi, c'est travailler avec les enfants, décoration, faire la cuisine, faire les cheveux. Donc, les maquillages, je suis zéro, zéro, zéro. Alors, n'oublie pas de vous abonner, de liker, de commenter ainsi que de partager. On se retrouve encore tout à l'heure. On dit ce qui commence bien finit très bien par la bonté de l'Éternel. Alors ma prière pour moi, les femmes fortes, les mamans, que Dieu puisse vous garder en santé, comme qu'il vous couvre dans son sang, que vous puissiez élever vos enfants dans les craintes de l'Éternel, que la grâce divine puisse demeurer dans vos maisons, dans la vie de vos enfants, dans l'intelligence de vos enfants à l'école, que Dieu puisse vous assister. Et je vous demanderai encore de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Cette vidéo tient à sa fin, comme on dit toujours, ce qui commence bien finit très très bien. Et voici notre finale de la décoration, de la nettoyage. Après, je vous quitte, je m'en vais nettoyer ma salle d'eau hors caméra. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Et désolé pour... j'ai essayé plusieurs fois de télécharger le vidéo, mais ça n'a pas arrivé. C'est pourquoi j'ai retourné encore pour vous dire à la fin que la vidéo a été supposée d'être publiée samedi, mais comme j'avais programmé chaque samedi, je vous lance une vidéo, mais ça a pris, ça a fait ses caprices. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Abondamment, vous ainsi que les membres de vos familles. Abonnez-vous massivement. Bye!